Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dead Space 3, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Yes. Oh, merde. Est-ce que ça va? Ouais, ça ira. Passe devant. Je vois un chemin. Je t'envoie les coordonnées. On se retrouve aux installations. Attention, on dirait que Danny a des renforts. Bordel. Comment on va pouvoir trouver Rosetta si elle est morte depuis 200 ans? Attends un peu. Là, d'abord Rosetta. C'est là. Parfait. Envoie-moi les coordonnées. J'espère que nous aurons le codex avant que Danny nous trouve. Thank you.
Ah bah, ouais. Je savais même pas qu'il m'avait tué deux fois, tabarnak. Hey, j'ai modifié. Ah, oh, j'ai pas le bon gun des mains, hein. Nouvelle tenue à l'essayage. Donne-moi la nouvelle tenue. De ferraille, par la force, la force.
Merci Turbo pour le... le retweet puis le j'aime. J'aime ça! Ouais, Chris, qu'est-ce qui se passe? Hein? D'assemblage, si on en croit les commandes. On doit assembler un codex. C'est logique. Qui est... Non. D'après ces registres, nous devons assembler Rosetta. Alors ils l'ont découpé en morceaux? Oh, Dieu! Quelle journée de merde. Ils l'ont découpé? Pourquoi? Je sais pas. Mais certains morceaux se trouvent déjà dans l'assembleur. Je crois que j'en vois un autre par ici. Il est où par ici? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il doit y avoir un système d'envoi vers les ressources du labo quelque part. Ouais, par ici. Ok, voyons si ça fait le voyage. J'en crois ces registres. Il reste 4 fragments et le docteur Serrano les a retirés de l'inventaire. Il y a 3 bâtiments dans cette installation. S'il y a d'autres fragments, ils peuvent être... n'importe où. Apparemment, la plupart des portes sont fermées. Tu sais quoi? T'as de la chance. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte d'accès. Tu veux l'essayer? Pourquoi pas? Bien, merci. Trouve le maximum d'infos sur l'assemblage de Rosetta et sur le codex. Moi, je vais explorer les labos pour trouver les autres fragments de Rosetta. Lancement de la décontamination. Veuillez patienter. On dirait qu'il y a 3 bâtiments principaux sur le secteur. Nous sommes dans la section biologie. Il y en a d'autres pour la paléontologie et la géologie. Très bien, et je commence par laquelle? Comme tu veux, mais... sois prudent. Pourquoi? Tu crois que je vais me faire manger tout cru? C'est pas drôle. Je sais. Terminé. Ça, c'est pour les missions secondaires, ça. Je suis quand même curieux juste de descendre puis de monter.
Non, on va voir. Perte de temps. Ouais, mais là, c'est probablement des missions secondaires. Je voulais aller là pour pogner du stock, mais il n'y avait pas de stock. Fait pas de mission. Ah, c'est le bateau. Un peu partout. Elle bloque même certaines portes. Elle est organique parce qu'il y a un système de stérilisation qui détruit les corps étrangers en cas de faille de l'endiguement. Je vais chercher. Tabarnak. Sérieux, t'as calé. Stérilisation.
Docteur Earl Serrano, nouveau rapport. Je comprends pourquoi la machine n'a pas reconnu notre codex. Les instructions étaient corrompues par la seconde chaîne d'ADN, l'aberration. Nous en avons trouvé un nouveau. Un nouveau spécimen, intact. Son ADN est en place. Tabarnak, m'a fait peur, esti! Ah, il y en a un là! Ah, mais quoi je fais avec ça? Je l'amène là-bas à l'autre bout? De toute façon, j'avais pour dire, de toute façon, le morceau a disparu, mais il est là. Mais là, j'en ai un, faut que je l'amène, c'est-tu? Là, qui passe même pas par la porte. Ah, je viens de comprendre. Ouais, t'as raison. Je passais pas par la porte, t'es noé. Un fragment de Rosetta. Je vous l'envoie. C'est quel fragment? Difficile à dire depuis l'intersection, mais ça ressemble à rien de connu. Okay. C'est pas ta mère, trouvez toi-même.
Pourquoi ça ouvre pas? On a quelque chose qui a bugué. Bon, ça a bugué. Ça. Yeah! J'ai ouvert mes yeux. Qu'est-ce que c'est ça? On a passé à trop de vie et à plus de vie. J'en ai mis de côté, mais quand même.
Ah, ça, c'est là, d'un coup, ce site d'écran-là, calice. Et voilà. Docteur Earl Serrano, nouveau rapport. Nous savons que tous les monolithes présentent des glyphes. Ah, j'ai changé de gun, ça fait. Niaisage. Ok, Ellie. T'en envoies encore un autre. Isaac, ces fragments. T'es sûr que c'est Rosetta? Y'a qu'une façon de savoir. On doit en être à la moitié. En bas de ça. Hey, Carver! Je suis dans la caserne des faucheurs. Il paraît qu'ils avaient des joujoux sympathiques. Je vais aller jeter un coup d'œil. Merde. Quelqu'un s'est lâché ici. Il y a des têtes coupées partout. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Si les corps sont toujours là, alors leurs armes aussi. L'occasion est trop belle.
T'es chez du stuff.
Docteur Earl Serrano. Nouveau rapport. Tous les spécimens trouvés jusqu'à présent partagent des caractéristiques étonnantes. Des branchies, mais aussi des vessies natatoires et des nageoires pliantes. Improbable pour une planète gelée, à moins qu'elle ne l'ait pas toujours été. Je crois que cette planète était autrefois un océan, mais un événement aurait causé un gel soudain, piégeant tout ce monde dans la glace. Le troisième et le dernier, logiquement. Un autre. Ah, je le vois. Qui survole la zone. Oh mon Dieu, ça ne fait pas repérer. Du jus.
meurs un esprit. Prochain save, on y va. Tu watches, anyway, tu couches sûrement pas à 8 heures. Tu watches la télé? Tu watches tes Netflix ou quelque chose? Ça sent une bosse, ça.
Un autre fait dont vous pouvez attester mieux que quiconque, Isaac. L'homme est voué à fabriquer des monolithes rouges, répliquant l'image du monolithe originel. Ils font partie de notre histoire, comme notre planète, si ce n'est davantage. Nous avons tous notre rôle à jouer dans l'évolution de l'univers, Isaac. Même si vous avez du mal à l'admettre. Non, c'était tout. L'aventure du jeu Dead Space 3, live, sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!